Méconnu de bien d'étudiants en Côte d'Ivoire, l'Institut national de formation judiciaire forme au métier de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des magistrats, des greffiers, du personnel pénitentiaire et de l'éducation surveillée. C'est pour mieux connaître cet institut qu'une journée carrière d'information des étudiants juristes a été organisée. Une question de visibilité, nous nous montrons pour que tout le monde connaissent l'Institut de formation judiciaire. Les personnes habilitées à entrer chez nous comme élèves, susceptibles de devenir personnel judiciaire, ce sont les étudiants en droit. Une initiative fort appréciée par les étudiants, c'est une occasion pour eux de s'informer sur les filières de formation et opportunités qu'offre l'INFJ. Cette journée organisée par l'Institut national de formation judiciaire est une aubaine pour nous, étudiants juristes de Côte d'Ivoire, de nous imprégner davantage des réalités de cet institut. Les concours de la magistrature, du greffe sont mal connus des étudiants. Les étudiants aiment bien dire, je vais passer le concours de la magistrature, je vais bien faire ça, mais ils ne savent pas comment faire. Donc c'est une bonne entreprise dans la mesure où ça va, une fois de plus, mieux orienter les étudiants sur leur choix de carrière. L'Institut national de formation judiciaire comptabilise quatre écoles. L'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école des personnels pénitentiaires et l'école de la formation continue et des stages.